Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Sifano et bienvenue aujourd'hui dans cet épisode 139 du Let's Play sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un épisode un petit peu particulier, introduction un petit peu particulière, puisque vous le savez, à partir d'aujourd'hui et pour les 6 prochains épisodes, donc si vous suivez au jour le jour jusqu'à lundi inclus, les épisodes seront tournés en avance, tout simplement parce que, eh bien, vous le savez, je fête un heureux événement ce week-end, j'en ai suffisamment parlé, je ne vais pas vous rebassiner avec ça. Et c'est également un épisode un petit peu spécial, puisqu'on se rapproche du record, et que, vous l'entendez peut-être à ma voix, je suis en train de tomber malade. C'est pas le moment, on est d'accord, vu ce qui m'attend ce week-end. Et c'est pour ça que, vu que j'ai 6 vidéos à tourner, je vais essayer de parler posément, j'adapterai le montage, etc. Mais je vais éviter de trop crier, de trop parler vite, etc. Donc d'avance, désolé, mais c'est vrai que si je commence à trop tirer sur une première vidéo, dans 3 vidéos, les gars, je parle plus. Voilà. Mais du coup, vous le savez, je vais tourner les épisodes d'avance, donc les épisodes feront plutôt 40 minutes de moyenne. Je vous avais expliqué un petit peu, eh bien, vers où on allait aller et tout. Alors désolé, hein, si je reprends un peu ma respiration, tout ça, j'ai le rhume, j'ai machin, c'est un peu galère. Voilà, c'est super. Donc je vous expliquais un petit peu où est-ce qu'on va aller. On va revenir vers le souvenir, vers le lac Ilia, ensuite... dans le ciel, etc. Il va y avoir plein de choses intéressantes dans les prochains épisodes, les amis. J'espère que vous allez kiffer, même si j'aurai pas vos retours. N'hésitez pas, malgré tout, sur chacun des épisodes, à me faire vos retours, à centraliser tout ça sur le dernier également, puisque j'aurai tous vos retours à mon retour, bien évidemment. Et s'il y a des choses que je loupe, on les fera. J'ai néanmoins noté des astuces aujourd'hui dont je vais vous parler. Je peux pas tout noter d'ailleurs, parce que certains m'ont dit aussi tu devrais aller voir telle zone que t'as pas vu, tel machin. Il y a beaucoup de choses. J'en ai conscience, les amis. Mais j'ai noté quelques astuces. J'espère donc que cet épisode va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus, les amis. Ça me ferait très plaisir. J'ai vu que sur les derniers épisodes, vous laissiez pas mal de likes. Ça fait très plaisir. Merci pour ça, vraiment. Je compte sur vous pour viser les 10 000 likes. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Ça fait du bien juste de voir des messages et tout par rapport à ça. Et puis, je compte également sur vous, tout simplement, pour laisser donc utiliser des astuces et également pour vous abonner à la chaîne. Alors, j'ai noté des astuces pour aujourd'hui. Aujourd'hui, pour réexpliquer un petit peu, nous allons partir en direction, je pense, du lac Ilia pour faire ce qu'il y a au lac Ilia. Donc, il y a un griok. On a vu également qu'il y avait un typhon. On va peut-être aller valider ça en passant. Et peut-être, pourquoi pas, le souvenir. Une fois qu'on aura fait tout ça, dans les prochains épisodes, on fera cette partie-là, globalement, histoire de terminer plus ou moins Firon. Et ensuite, on ira faire par la queue cette île-là. Ça, c'est la première des choses. Vous m'avez néanmoins expliqué pas mal de choses. Déjà, cette fameuse grotte, là. Je pense qu'on va commencer par ça. Je cherchais l'autre entrée. Vous vous en rappelez, je cherchais une entrée de grotte. En fait, il n'y a pas d'autre entrée. Voilà, j'ai juste mal fouillé. Je pense que c'est derrière un rocher, mais en fait, les Lucis se trouvent bel et bien de ce côté-là. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ça concerne... Est-ce que j'en ai encore? Long bateau renforcé. Est-ce que j'en ai encore? Attendez. Est-ce que... Épée de voyageur, long bâton noué, j'en ai plus, mince. Bon, ça concernait les sabres de défiance. Vous avez été nombreux à me dire que les sabres de défiance, donc vous savez, c'est les sabres qui projettent un petit peu du vent. En fait, si on y amalgame un matériau, par exemple on a un matériau de feu, ça va projeter du feu. Matériau de glace, ça va projeter la glace, etc. etc. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je note pour les prochains trucs. Vous m'avez également dit un truc, je vais vous le montrer maintenant pendant qu'on est sur la carte. Apparemment... Je pense que c'est par là. Attendez, je vais le voir de toute façon sur la carte. Il devrait être près d'une route. Il doit être par là. Ah ouais, il est où? Tiens, c'est marrant. Au-dessus du pont, on a dit. On m'avait dit au-dessus du pont. Bon, je sais pas. Normalement, on les voit sur la map, mais là, je les vois pas. C'est pas très important dans l'absolu. On le verra de loin. Mais bref, par là, j'imagine, puisqu'à l'époque, c'était le cas. J'ai oublié un relais, voilà, qu'il faudra que j'aille voir et tout. Et il me semble déjà qu'à l'époque, je l'avais plus ou moins oublié. On m'a dit que c'était au-dessus du... au nord du pont qui mène au Mont Géminé, donc je dirais le pont qui est là. Et donc, bah, je sais pas, je le trouve pas exactement pour le moment, mais bon, bref, je note qu'il y a un relais dans cette zone-là, qu'il faudra que l'on fasse. Et vous m'avez donné une dernière astuce concernant les godons, les gondons, je sais plus leur nom, mince. Certains d'entre vous m'ont effectivement dit et rappelé que dans leur description, il était dit que en fait, les gondons, si je leur donne une gemme Nox, ils peuvent me donner des minerais en échange. Et donc ça, c'est super intéressant. Et c'est effectivement là. Bien vu. Bien vu, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. Comme quoi, des fois, ça se joue à pas grand-chose. Hein.
Et donc voilà, j'espère que ça ira au niveau, j'adapterai vraiment le montage. Mais vous voyez, quand je joue comme ça, ça va à peu près, ça tire pas trop. C'est un peu galère quand même, mais ça va. Si je parle plus fort, si je galère trop et tout, bah ça sera un petit peu compliqué. Donc j'espère que ça le fera. Ainsi, de toute façon, c'est ça ou pas l'épisode. C'est le problème d'un rythme quotidien comme ça, bah c'est que... Bah... Comme tout quoi, tu peux tomber malade, machin, avoir des problèmes, machin, qui font que voilà, des événements, des choses qui font que des fois t'es pas dispo, ou pas au top de ta forme, ou malade, ou voilà, et donc du coup forcément ça peut être un petit peu problématique. Alors, allons voir le Godon. Godon ou Gondon, comment on appelle ça, j'ai oublié. C'est un Gondon, c'est un Gondon. Bonjour monsieur le Gondon qui est tout mignon. Alors, si je prends une petite gemme Nox ici... Est-ce que j'en ai une déjà? Je dois en avoir une qui traîne. C'est une gemme Nox, ça? Oui. Tiens. Ah! Il la mange. Et alors? Et alors? On va partir du principe que c'est comme le chien et qu'il faut qu'il en mange plusieurs. On va essayer, on va voir. Non, parce que, pardon de parler vulgairement, mais si il me chie un diamant, c'est de ça dont on parle. Littéralement, vous avez vu ce qu'il y a sur la table, ça peut valoir le coup. En tout cas, de tester. Donc j'ai quand même envie de voir ce que ça donne. Parce que pour l'instant, il n'y a rien du tout, hein, frérot. Oh là là, la lenteur du bazar, là. Ça va, toi? Alors, certains m'ont dit aussi qu'il fallait que j'aille voir la zone des obscurcies, je sais pas quoi, alors j'ai pas vu que c'était ça. Donc, on verra. Bon, il y a peut-être des choses, effectivement, que je ne ferai pas tout de suite. Certains m'ont dit aussi de faire les Higas, mais apparemment, il y a un des trucs des Higas qui est vers le plateau du prélude. Bon, vous savez ce qu'il y a à l'épisode 141. Plus j'y pense, plus je pense vraiment qu'on va se concentrer sur la quête principale parce que on est en plein dedans. J'ai pas forcément envie de partir et machin. Donc je pense pas qu'on fera tout de suite les Higas, ça laissera des petits trucs en suspens pour derrière, au pire c'est pas très très grave. Mais j'ai bien noté, ne vous inquiétez pas, je sais que vous voulez le plateau du prélude. Et je n'ai pas oublié. Alors, avec... ou alors c'est de nuit qu'il faut lui donner, qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Ou alors c'est pas eux? Non, parce que là quand même... Ah oui, regardez leurs cornes qui brillent de nuit. Est-ce que c'est bon? Ah. Je vais en donner encore un tout petit peu. Ça vous va? Parce que là, il est quand même en train de me carotte des rubis hein, dans l'idée. Je lui en donne un tout petit peu. Peut-être qu'il fallait lui donner de nuit et que ça brille. Je tente encore un tout petit peu. Si ça marche pas, n'hésitez pas à me mettre le mode d'emploi. On reviendra dans quelques temps pour le faire. Ah. Non. T'es toujours pas disposé. Ah, t'es repu en plus, tu veux pas en prendre? Bon. Écoutez, ça m'a l'air ok. Alors, on parlait des obscurcies, je sais pas quoi. Alors, ça, je sais pas trop ce que c'est. C'est peut-être totalement ailleurs. Il n'empêche que, avant de partir, c'est vrai que j'avais totalement oublié de le dire, avant de partir, on a quand même un petit combat qui nous attend, parce que ça fait toujours plaisir. Peut-être qu'aujourd'hui, on va se faire deux griocs. Bon, vous savez, maintenant, les griocs, on en mange au petit-déj. C'est vrai que quand je reprends l'épisode... c'était quel épisode? C'est l'épisode 15 15-20, là. Ah, les bras, où je me suis fait fumer. Bon, bah maintenant, c'est vrai qu'à côté... Ça nous paraît simple, en même temps, on a ce... Mais c'est ça aussi, ce sentiment de progrès qui me plaît. On va mettre ça. Voilà. Et si je dis pas de bêtises, on a pas mal d'œil. Ok, il est là. Il est là, il est là, il est là. Alors, ce que je voudrais avant tout, c'est... Parce qu'en fait, je rappelle qu'il y a une route. Alors, on va pas forcément explorer ensuite toute la plage. Il y a énormément de choses, très probablement, et on le fera à un moment donné dans le 100%. Mais là, c'est pas du tout mon objectif. Oula, on va laisser ça tranquille. Là, mon objectif, il est d'explorer un petit peu la zone. Est-ce que c'est si loin que ça, ça? Un peu. Un peu, un peu, un peu. Parce que, en fait, je me dis, s'il y a un grioc là, c'est qu'il y a sûrement quelque chose d'intéressant à voir. Vous voyez? Donc, normalement, nous, on avait fait cette route-là. Voilà. Jusqu'à... Ensuite... Voilà, la route qui est là... Alors, est-ce que ça mène à une grotte? Est-ce que... Le grioc doit peut-être me filer quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'ici, on a quelque chose? Je suis pas certain. J'ai pas l'impression, du moins. Tumuli.
de la plaine du Chine. Ok. Alors, par là, vous voyez, on a quelque chose. C'est la route. Hein. C'est la route qui tourne, qui mène par là-bas. On a un voyageur. Ok, on va aller le voir. On va d'abord regarder ce qu'il y a sur la route avant d'aller se farcir le griot, mais je pense que ça devrait pas être trop compliqué. Salut. En ragoût ou à la broche? Tiens, qu'est-ce qui t'amène? J'espère que c'est pas la fin parce que j'ai rien à manger sur moi. J'ai décidé que je ne mangerai rien tant que je n'aurai pas trouvé la créature inconnue dont on parle dans les relais. Mais c'est le Gondon. Une créature inconnue. De quoi peut-il bien s'agir? À quoi ressemble-t-elle? Quel est son mode de vie? Mais la première question qui vient à l'esprit, c'est est-ce meilleur ragoût? Mais ça, on avait déjà vu. Je sais, c'est mal, mais ça ne peut pas s'en empêcher. D'un autre côté, mon cerveau me souffle. Oui, ça aussi, je prends mon temps pour lire parce que c'est ça aussi qui peut me tuer la gorge. Si tu chasses sans réfléchir, cette créature inconnue, est-ce qu'on va lui dire? Est-ce qu'il faudrait pas le prendre en photo, le Gondon? Est-ce que ça, je pense que c'est une quête, mais pas vraiment une quête. Vous savez, un peu comme avec la photo de Tigné ou quoi? Je pense. Hop, on va avancer comme ça, voilà. Donc ici, on arrive sur la plage. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose. Peut-être un courroux dans cette arche-là. En fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi me mettre un griot à cet endroit. C'est vraiment ça que je comprends pas. Parce que... c'est quand même particulier, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de caché, non? On parle d'un griot électrique. Ok, alors déjà, il y a des choses très intéressantes ici qu'on va venir récupérer. Il y en a une là. Et il y en a une autre. Ok, ça c'est parfait. Pour le coup, maintenant, la question c'est... il est là, alors... il va pas être simple celui-là. Je retire ce que j'ai dit. Il va vraiment pas être simple pour la raison suivante qui est que... attendez, on va tenter un truc. Ah non, on aurait pas dû tenter ça. Qui est que... oh, il me fait la pluie. Il me fait la pluie. J'ai envie de crever. J'ai envie de crever. Attendez, on va recommencer. Qui est que il n'y a pas d'endroit où se planquer en fait. Et en plus, effectivement, il va tout me dégager. Est-ce qu'il me suit là? Ok. Attendez, faut que je me barre. Il me suit ou pas là? Ça, c'est un problème. Ouais, j'ai pas abordé le combat de la meilleure des façons, là, je vais pas vous mentir. Je vais être obligé de grimper et de tirer, je pense. C'est bon. Il va retourner chez lui. Alors le problème c'est qu'en bon arc j'ai ça quoi. Je vais être obligé de me... ok, vous êtes prêts? Attendez, je vais attendre qu'il descende. On va se préparer une bonne arme aussi, ça genre. J'ai même une arme qui fait 82 là. Pas dégueulasse ça pour le retourner. Après en vrai de vrai... premier fight, j'ai pas forcément besoin, si. Ok. Ok. Allez, on tourne. 82. On lui enlève beaucoup, là. Ah, par contre, c'est un truc un peu miasmatique, machin. C'est pas grave. Oh, ce qu'on lui a mis, on lui a quasiment... ok, c'est pas grave. Les cœurs remontent. Donc là, on va le laisser. Au pire, attends, je peux peut-être encore le... ok, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Ok, c'est problématique là ce qui se passe. Là, c'est problématique. Le problème, c'est qu'avec ce genre d'arc, effectivement... ok, là, j'ai pas le choix. Ok. Raté. Le problème, c'est que je vais me prendre la foudre. Ok. Les gars, vous êtes prêts?
Go. Allez, rentre, elle va se péter. Ah, dommage. Et là, il faut faire ça. On est pas mal du tout. Et donc là, c'est là où il va falloir être bon. C'est qu'avant qu'il parte trop dans le ciel. Raté. Oh, raté. Oh, quel dommage. Ah ouais, et là, c'est la merde. Ah, dommage. Dommage, dommage, dommage. On était pas mal du tout. Ok. Alors. Le problème, c'est qu'on va se prendre la foudre sur la face, donc il faut que je me soigne très vite. Ah, c'est tellement dommage, on était bien. Parce que là, je peux encore utiliser le truc, bien sûr, mais... Mais c'est pas fou. Mais j'ai pas avoir le choix. Pour regrimper un minimum. Pour aller au moins jusque là. Ouais, vas-y, c'est pas mal. Dommage. Attendez. Parce qu'après le risque. Quel dommage. On était vraiment bien. Ok, go, on y va. Ah! Je suis en train de perdre toutes mes fées. Oh, c'est terrible. Ouais, je me suis un peu moqué en mode c'est bon, maintenant c'est easy. Mais les grilles, les électriques, ils sont pas simples, hein. Non, parce que là ça va tomber. Ah ouais, ça retombe. Oh, pop, 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 pop. C'est dommage parce qu'on est presque bon là. Ok, vite. Ok. C'est bon. Normalement, il meurt juste en tombant. Presque. Allez, on y va. Et là, on prend ça et on termine. Vite, relève-toi. C'est bon. Ok. Il était pas simple. Alors, qu'est-ce qu'il gardait? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'il gardait un truc ou est-ce que juste... Après, il y a peut-être une quête à un moment donné d'un type qui va me dire... Ah, machin. Est-ce que là, il gardait... Que dalle. Non, arrête. Certains m'ont dit aussi de prendre en photo le... Comment qu'il s'appelle? Le petit lapin, là. Ce que moi, j'appelle le petit lapin. Effectivement, ça peut être une solution aussi par moment. C'était pas simple comme combat. Mais ma foi, c'est passé. Ça. Parce que là, vraiment... Je comprends pas, en fait, ce qu'il gardait. 11. Écoutez, j'ai l'impression qu'il gardait un corbeau. Non. Même pas. J'ai du mal à saisir vraiment l'intérêt de ce... Généralement, il garde quand même des choses. Et là... Écoutez, s'il n'y a rien, tant pis, ça nous aura fait un beau petit combat, mais... Pour moi, il y a un truc tout là-haut. Et au pire du pire, ça nous mène au sanctuaire, donc j'ai envie de dire, c'est pas très 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 grave. Qu'est-ce qu'il y a tout là-haut? Enfin bon, on aurait pu le contourner quoi, à ce rythme-là. Ah ouais. Ah bah il y a le truc de la divinité Ekin là, ouais ouais, mais alors... Là-bas il y a le relais. Écoutez, vraiment, là, c'est un assez gros mystère. Si vous savez, franchement, je suis preneur parce que là, bon, c'était un combat sympa. Hein. Regardez, il y a le relais et tout qui est là, machin. Bon, on va y aller, tout ça, mais d'abord, on va se faire le lac Ilia. Ah, quoique, vu qu'on est là, est-ce qu'on ferait pas, on remonte... Non, 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 je vous ai promis le souvenir, on va aller au souvenir. On va juste faire ça d'abord. Hop là. Enfin, je vous ai promis le souvenir, je sais pas si... Je sais pas si on va faire le souvenir maintenant. Mais en tout cas, voilà.
Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de ce sanctuaire-là? Ça, on avance bien dans Firon, c'est plutôt cool. La verticale et l'horizontale. Oh, je vais pas aimer. Hop, 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 je vais pas aimer. Ok, bon, jusque-là, c'est ok. Ouais. Espérons que ça passe. Bon, ok. Jusque-là, c'est plutôt ok. Maintenant, on a ça. Oui, d'accord. Là, ce qu'il faut, c'est venir mettre un truc du genre. Est-ce que je peux faire un truc comme ça, genre? Alors attends, on va faire un truc très simple. On va prendre ça. Parce que là en gros il faut mettre de la force. Alors par contre je sais jamais dans quel sens c'est. Est-ce que c'est comme ça ou plutôt l'autre? Ça j'avoue que je ne sais pas. Ok, c'est pas mal. On va le mettre là comme ça lui. En gros il faut pas qu'il colle. Là et là. Ouais c'est bon. Ok. Toujours pas de... J'ai l'impression toujours rien. Ok, il y a peut-être un truc là-haut. Alors. Dommage. Bah... Alors, ça va pas régler mon problème, hein, mais... Déjà, ça me règle celui-ci. Qu'est-ce qui va me faire celui-ci? Ah... Oui, c'est bon, j'ai compris. Ah si, ok, c'est bon, je l'ai. Je l'ai. Comme ça. Et... Comme ça. Bon, on a réussi. Juste en voulant me décaler au niveau de la caméra, j'ai fait tomber le truc. Du coup, on est bon. Ah merde, Ok, reviens, j'ai eu très peur. Ça me rappelle dans... Mais attends, je pouvais passer comme ça depuis le début. Ouais, bof. Ça me rappelle dans Skyward Sword. Hop. Hop là. Alors. Décidément. Mais bon. Ok. Nickel. Et donc là, nous avons, je ne sais pas quoi, mystère. L'homme est silencio. Ok. Ok, ok, ok. Bon, eh bien, écoutez, ce temple était plutôt... Enfin, ce temple. Excusez-moi à chaque fois. Ce sanctuaire était plutôt pas mal. Je l'ai bien kiffé. Pour le coup. Parfait. Et donc maintenant, pour moi... Là, j'ai fait ça parce qu'il était à côté. On va se téléporter en face et on va au lac Ilia. Il me restera la zone en bas à gauche à faire tranquillement. Comme ça, vous voyez, en fait, ça me permet un petit peu de... Voilà, là, on a fait 2-3 épisodes depuis le dernier souvenir. Et donc, du coup, ça me permet comme ça de revenir ici. On va faire toute cette zone-là du lac Ilia. Le lac Ilia, je vous avoue que je suis très, très, très curieux de ce que ça va donner. C'est un de mes grands regrets, alors peut-être que là le jeu va me faire mentir, mais de base, c'est un de mes grands regrets dans Breath of the Wild, le lac Ilia.
Est-ce que vous avez senti que j'ai tiré sur la gorge? Aïe, aïe, aïe. Parce que le Laquilia... Oh, waouh. C'est quoi? C'est lequel? C'est Rondrak. Bah, oh, mais attends, c'est parfait. Attendez, c'est parfait. Il descend. Il descend. Je veux voir. Je veux voir ce qui se passe quand on va dans un dragon, avec un dragon en bas. Est-ce que je vais avoir le temps? Oh, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Oh là là, il y a plein de choses ici, des puits, des machins, des... Ok, ok, on va explorer après, vous inquiétez pas. On a dit qu'on voulait descendre dans ce trou. Donc un dragon peut descendre en bas, mais j'en ai jamais croisé en bas, c'est fou. Yo, attends-moi, attends-moi. Abîme des hauteurs. Et donc... Donc je peux descendre, littéralement. Genre, c'est ok, c'est acté. Je descends dans les abîmes. Wow. Me dites pas qu'il y a enfin un génie. Est-ce qu'on n'irait pas enfin voir un génie? Les gars. Ah, lui, par contre, il va être... Lui, il sera pas faisable, de ce côté-là. Parce que... Voilà, faut faire... Blablabla. Donc, non, on va éviter. Par contre, on peut enfin aller voir un génie. Oh. My god, attendez. Et d'ailleurs, juste les sanctuaires. Il y aurait juste à côté du génie, il y aura notre truc, donc c'est parfait. Et peut-être que lui va m'y amener, non? Est-ce que c'est possible que lui m'y emmène? Hop. Je sais pas. Attendez, faites voir. Je trouve ça trop bien sur le principe. Oh la vache. Oh l'angoisse, les gars. Alors. Ok, en dessous, sert depuis. Est-ce que tu vas dans la bonne direction pour moi ou pas? Cher ami, j'ai l'impression qu'il va pas du tout dans la bonne direction. Moi, ce qui m'intéresse, c'est là-bas. Il se redresse, regardez. Je trouve ça exceptionnel dans l'idée. Lui, j'ai envie de crever. Oh! Bon, c'est pas ça que je voulais faire, mais. Oula. Je suis sur un camp Igas là, non? Ouais, alors. Ouais, il y a plein de choses comme ça, effectivement, qu'on a. Ça, je l'avoue, qu'on n'a jamais exploré. Ça, je l'avoue volontiers, on n'a jamais exploré ce genre d'endroit. Enfin, si, peut-être vite fait, je sais plus. Très, très vite fait au début, mais. Ce qui m'étonne, c'est que je vois pas du tout la... Ah oui. Alors. Il va falloir que je passe par là. Ok. J'ai cru à un truc. J'ai cru à un truc, mais en fait, non, pas du tout. Donc nous, ce qui nous intéresse... Alors, il y a les fameuses armes qu'il faut que j'aille prendre. Je sais que je vais jamais les prendre. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir que j'aille un petit peu dans les souterrains. On va enfin voir une statue de génie, parce que là, elle est à côté de moi. Et donc là, par exemple... Ah, elle est moins bien que ça. Ah ouais. Ouais, bon, celle-là, c'est peut-être pas la meilleure... C'est peut-être pas le meilleur exemple, celle-là. Et donc, elle serait... Ouais, elle serait à côté... Oui, elle est à côté de la source, oui, ce que vous me disiez. Enfin, ça, c'est les génies qui sont comme ça. Donc, attends, on va juste mettre ça comme ça. Donc là, normalement. Même si j'y vois pas énormément. En théorie. Là, normalement, il n'y a pas de plafond. Hein. Et oh, les frérots, là. Là, il n'y a pas... Oh, non. Vraiment? Non, vous allez me carotte comme ça. Non, c'est bon. On devrait pouvoir marcher, normalement. J'espère. Ok, c'est bon. Ah, parfait. C'est ce que je voulais. Alors. On va déjà aller. Je l'ai perdu. Il est là-bas. Et alors, le truc du génie. Parce qu'ils sont tout petits, hein, on se rappelle. Hein. Il y a un truc à côté encore. Il y a tellement de choses, en fait, dans ces souterrains. Oh, regardez. Bon, attendez, de toute façon, là, notre objectif... Qu'est-ce que c'est que ça?
Ah bah c'est pas le génie? Non, attends, c'est quoi ça? Non, c'est une zone IGAS encore, j'ai l'impression. Non, le génie sera en dessous. Le génie est en dessous. Ok. Là, on n'est pas là pour ça, de toute façon. Là, ce qu'on veut, nous, c'est... Je sais qu'il y a peut-être beaucoup de choses que j'oublie en bas, mais... Là, notre objectif du jour... C'était pas prévu que j'aille aussi vite dans les profondeurs. Par contre, ça m'a vraiment fait que dalle, là. J'ai envie de crever. Le génie... Bah, il est là. Alors, il est... Écoutez de moi, il est là-haut. Arrêtez. Oh. Arrête. Arrêtez quand même. Ok, là. Ouais, parce que sinon... il est où? Est-ce que ça passe? What? Alors. Je comprends pas où je suis. Attends, ça m'a l'air très... Oh, mais ça m'a l'air galère, le génie, non? Mesdames, messieurs, après presque 140 épisodes, nous voici enfin à un génie. Ce qui est bien, c'est qu'on prend notre temps. Attendez, voir... Je suis dead. Non, jamais je passe, là. Il est où? Il est au plafond, le génie? Il est où? Il faut impérativement que j'arrive à peut-être tenir sur la façade, là. J'y crois pas trop. Je vais pas tenir, là. Peut-être là. Peut-être que là, je peux arriver à m'en sortir. Ouais, là, je vais m'en sortir, je pense. Oh la vache, quel enfer! C'est quoi ce... Je suis même pas vraiment au génie, là. Ok, là, je devrais m'en sortir. C'est normal de... Oh, regardez, là. Je passe même pas, là. C'est vraiment normal, là, ce qui se passe? Ou est-ce que je me suis totalement planté? Ah, il y a moyen que ce soit une espèce de petite épreuve pour le rejoindre, le génie, quand même. Mais là, en fait, le génie, il est par là-bas. Attendez, parce que je me suis complètement planté. Le génie est pas du tout par là. Mais en fait, il est pas... Il est... Source profonde du courage. Ok, c'est là. Ok, alors. Attends. Je découvre, c'est la première fois. Ils me disent qu'il est là. Mais là, au-dessus, là, là où ça brille, non? Parce que là... En fait, c'est parce que je connais pas. Une fois que j'aurai vu, je pense que ce sera un peu le même délire à chaque fois. Peut-être, je sais pas, on va voir. Voyons voir. Oh, il est là! Ah mais il est géant, ça n'a rien à voir avec le petit, d'accord, toi qui t'adresses à moi. Présente-moi une offrande. Apporte-moi des esprits afin que je les conduise vers l'au-delà. Ces tristes créatures ont perdu leur chemin et errent sur ces terres. Je suis un être qui guide tous les esprits vers l'au-delà sans aucune différence de traitement. Le bien, le mal, ce ne sont que des vaines perceptions d'être terre à terre. Je ne discrimine pas les esprits errants. Tu sembles avoir déjà rencontré au moins un de mes frères. Attends un instant. Ah, il met à jour ce que... Non? Notre pouvoir a permis de créer la tunique des ténèbres. Je t'en ferai cadeau si tu m'apportes une offrande satisfaisante. Alors attendez, combien j'en ai? 759. Tunique des ténèbres. Mais je l'ai déjà, non? Chose du... Alors attendez, regardez, chose du temps. Tout ça, c'est que des trucs que j'ai, je crois. Oui. Oui, c'est que des trucs que j'ai. En gros, si je les perds... Ah oui, il y a même ça. Je crois, si j'ai pas de conneries, que tout ce qu'on a là... L'épée du prélude, elle est là. Si jamais je perds des trucs, je peux les racheter ici. Par contre, excusez-moi, mais...
Je l'ai pas. Attends, quoi? Ça m'étonne un peu. Ah non, je l'ai pas. Je crois bien, en tout cas, à moins que je sois aveugle. Ok, donc c'est ça la fameuse récompense. Donc moi, je veux la tunique des ténèbres. Vas-y. Contre 150 esprits, c'est que là. Et j'imagine que ses autres frères, ils ont le bas et le haut. Ok. Cherche mes frères. D'autres récompenses t'attendent si tu les trouves. Donc. Antimiasme. Oh, on est stylé de ouf. Ah oui, antimiasme, ça peut être très pratique. Ok, d'accord. Bon. Eh ben, on en aura enfin vu, hein. Il y avait ce truc aussi, mais en fait, mon objectif, là, il n'était pas vraiment de faire ça en rappel. Mon objectif, il est là, il est surtout de me rapprocher du lac Ilia. J'avais dit que ça ferait environ 40 minutes. On est déjà au bout des 40 minutes. On n'est pas du tout au lac Ilia, donc on va peut-être pousser un petit peu, vu que ma voix tient. Mais du coup... Ah ouais... Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Bon. Ben, j'aime bien. Je vous jure, j'aime bien. C'est juste que je peux pas... Mais j'aime bien. J'aime vraiment beaucoup. Tunique anti-miasme. Ah ouais, mais du coup, c'est ultra fumé. Il faut que je trouve ses deux autres frères, en fait. Oui, bien sûr. Je comprends mieux pourquoi vous vouliez que je trouve les deux autres frères. Ok. Oh, il y a une... Ah ouais, bon, alors là, écoute. Alors, reprenons ce qu'on était parti faire au départ. C'est-à-dire aller vers le... Vers le lac Ilia. Alors déjà, ici, il y a forcément un Kurugu ou une connerie, je vous le dis. C'est sûr à 2 milliards de % dans cet arbre. On va aller voir directement en haut. Et je pense que c'est en bas et qu'il va falloir remonter. C'est une fleur, c'est sûr, c'est une fleur. Ah non. Oh, ça va. Attends. Non, c'est bon. Ok. Voilà. Ensuite, on a le petit puits qu'on avait vu à côté. Et ensuite, on va pouvoir arriver au lac Ilia. Tu sais quoi? Il paraît que la forêt... Je sais, frérot. Je sais, je sais, je sais. T'inquiète pas. On n'a pas oublié. Juste, on peut pas tout faire en même temps. Moi, je veux bien venir t'aider, hein, copain. Mais c'est les viewers. Les viewers m'ont dit que non, pas de... Ah, attends, il y a un puits, là. Oui, attendez, il y a deux puits, je crois. Il y a deux puits et ça. Il y a trois puits. J'ai envie de mourir. Ruines du village d'Adeya. Vous voyez ça? Bon là, je vais pas tout fouiller. C'est sûr, il y a des Kurugu partout. Sûr et certain. Mais par exemple, ça. Comme les ruines d'Akala. Pourquoi ce village... Par exemple. Pourquoi ce village n'a pas été reconstruit dans ce jeu? C'est tellement dommage. On aurait pu découvrir un endroit. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aurait fait tellement plus de vie. Oh wow. C'est une grotte, ça. C'est tellement dommage qu'il n'y ait pas eu plus de reconstruction de village. Qu'est-ce que c'est que ça? Je dois dire que ça, c'est pas une grotte. C'est quoi en bas, là? Oh merde. Attendez. Tenue antidérapante. 6, 7, 8, 9, 10. Je suis en train de voir des choses. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est une grotte, ça, non? Une grotte avec différents endroits. Ah ouais, d'accord. Grand boomerang, non. Oh là là, il y a tellement... Tellement de choses. Oh la vache. Est-ce que si, c'est une... Ici, il y a moyen que ce soit une bénédiction de Raoru. Oh là là, c'est quoi, mon dieu? Mais en fait... Ça m'a l'air immense. Ah, mais parce que là, on arrive sous le lac Ilia, non? Non, même pas. Là, c'est fermé. En fait, je pense qu'il y a plusieurs puits parce qu'il y a tout simplement plusieurs entrées dans les puits, tout bêtement. Et du coup, ouais. Alors, voyons voir. C'est une bénédiction de Raoult. Ok. On prend. On est à combien, là? Surtout que j'ai un pouvoir des sages et j'ai 6. Ouais, ok, donc j'ai bientôt 2 cœurs en plus. C'est vrai que je ne fais pas forcément instantanément à chaque fois, mais... Bah non. Après, les baguettes magiques peuvent être bien, hein, mais là, en l'occurrence, ça me tente pas trop.
Cette grotte est immense. Je sens que le lac Ilia, ça va quand même être une énorme zone. En plus, on a vu qu'il y avait un typhon. Donc, qui dit typhon ? Hein ? Dit, la dernière fois qu'on a eu un typhon, on n'en a eu qu'un. Hein. C'était chez les Zora. C'était exceptionnel, littéralement. Et on est d'accord que chaque entrée de puits compte pour un puits. Donc, mais ça, c'est une grotte. Je suis désolé, c'est pas un puits. Est-ce qu'on n'est pas, est-ce qu'ils considèrent pas qu'on est dans une grotte, là ? Au fond, un peu. Non ? Parce que là, c'est quand même très... Si je remonte par là, parce que j'ai vu qu'il y avait une autre entrée, il devait y avoir un autre puits pas loin. Je crois que c'est là-haut. De là, il y a un puits, normalement. Non, il n'y a pas de puits par là ? Non. Si, 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 il y a un puits, c'est sûr et certain. Là, voilà. Ok. Kurogu, machin, ici ? Non, j'ai pas l'impression. On descend. Et là, lui, il va me faire arriver par une espèce de truc en bois. Non, même pas. Ah ! Pas par le même côté ! Ok. Voilà. Alors, ici. Bah... On a rien. Super. On a rien du tout par là. A priori. Non, ok. Mais au moins, ça nous a validé ce puits, entre guillemets. Donc, ça me va. Il y avait une zone avec un coffre et tout. On va aller voir le dernier puits. On va aller voir tout simplement le dernier puits, ne vous inquiétez pas. Hop. Alors ici, enfin le dernier. Je dis le dernier, c'est peut-être pas le dernier. Hein. Mais il y a un puits qui est là-bas. Ah, ça m'a l'air d'être ça. Après, il y a toutes ces choses et tout là. Oh là 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 là. J'ai l'impression de limite un peu rusher la zone, là, ça me rend... Il y a peut-être d'autres puits, alors après j'ai l'émetteur et tout. C'est... Oh, il y a d'autres puits là-bas. Alors attends. Viens là. Là-bas, il y a ça. Là, il y avait eux. Est-ce qu'ils considèrent pas ça comme une grotte, vraiment ? Bah, peut-être pas. Toujours est-il que... Moi, j'ai clairement vu ce qu'il y avait d'intéressant. Et on va aller le choper. C'est quoi ? Oh merde. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 11, 12, 13, 14. Ok. Alors. C'est là-dedans. Ah putain. Comment l'avoir celui-là ? Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, frérot, t'es peut-être en passe de me faire le move le plus stylé de tous les temps. Si ça passe. Ah, dommage. Viens ici, copain. Oh, peut-être pas comme ça non plus. Ouais, je sais, mais en même temps... Bon, sinon j'ai une plateforme, mais bon... Vas-y, tombe. Putain, c'est terrible. Putain. Je fais n'importe quoi. Attends. Ok. Les gars, si ça passe, c'est exceptionnel. Hein. Dommage, ça aurait été trop stylé. Honnêtement. Dommage. Tellement dommage. Ça aurait été trop drôle. Attends. Par contre, je peux pas sortir là. Ouais, je sais, mais j'arrive pas à sortir en fait, copain. Mais moi, je peux pas juste passer comme ça. Allô ? Ok, on passe par lui, vite. Attendez, on va y arriver.
À l'aide. À l'aide, il se passe quoi? Ça passe pas. Ça ne veut pas passer. À l'aide. À l'aide. À l'aide. À l'aide. À l'aide. Ça veut pas. Bon, tant pis. Je pense que tant pis. Il est juste en train de tout me fumer là, donc c'est pas la peine. Dommage. Ça aurait été rigolo, mais non. Alors, on va juste le fumer lui parce qu'il commence à me saouler. Allez. C'est dommage, honnêtement. Ça aurait été trop stylé, mais bon. Hop. Vite. Oh putain, ça glisse avec là. Oh, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. On est vraiment maudit ou ça se passe comment? Quand tu veux, Riju. Ok. Putain, on les a fumés facilement en plus. C'est terrible. Ce qui est en train de se passer est catastrophique. Évidemment. Quel cata. Je suis désolé, j'ai trop mal joué. Mais en même temps, en fait, je voulais... Ça suffit. J'ai trop mal joué et en même temps, je pense que si ça passait, c'était le move du siècle. Mais tant pis. Alors attendez, parce qu'il y a toujours ce truc dans cette grotte là que je veux voir. Et je ne sais toujours pas ce que c'est. Donc. On va y arriver. On va le faire du coup de manière logique, hein, évidemment. Ok, voilà. Il y avait sûrement plus simple. Hein. Mais bon. Vous pensez qu'on va y arriver? Et en fait... Hop. Tout ça pour sûrement un coffre de merde. C'est sûr et certain. Mais bon. Voilà. Allez, dis-moi que ça passe là, je t'en supplie. Dis-moi que ça passe. Et bah... Eh bah dis donc, c'est intérêt à avoir un beau truc ça. C'est honnêtement un beau truc. Oui. Je m'incline, c'est honnêtement un beau cadeau quand même, je trouve. Donc... C'est quoi la proba que je pop sur le Kurogu? Bon. Écoutez, j'avais dit que l'épisode ferait 40 minutes, il en fait 50. Ça commence très bien, n'est-ce pas? Est-ce que c'est la preuve que du coup je vais absolument pas respecter ce que j'avais dit? Très probablement. Est-ce qu'il y avait un Elucis dans cette grotte? Peut-être. Je ne sais pas. Mais c'est pas une grotte, non, c'est pas une grotte. Ou alors il y a une entrée. Mais honnêtement, je crois pas. Honnêtement, je crois pas. Et donc là, normalement, on a à peu près, je dis bien à peu près, fini la zone. Et donc on devrait avoir une belle vue sur... notre ami, voilà, le lac Ilia qui se trouve ici, bien, et bah écoutez, je pense que ça nous fait un, ah mais ça c'est le sanctuaire, c'est vrai, ça nous fait un très très beau point de vue pour nous arrêter les amis, bah la prochaine fois, écoutez, je pense que c'est un triple objectif qu'on a devant nous, le sanctuaire, dans le typhon, le griot,
et le souvenir. Je pense que ça va être un épisode qui va être assez stylé pour l'épisode 140. On se fera un beau souvenir. J'espère vraiment et sincèrement que cet épisode vous aura plu. Demain, épisode où on égale le record, mais on ne le dépasse pas encore, ce sera l'épisode 141. J'espère que ça aura été niveau voix, niveau commentary, niveau épisode. J'espère que ça vous aura plu. On aura beaucoup exploré et tout, mais en même temps, c'était super intéressant. On aura enfin vu les génies avec, du coup, cette tenue plutôt stylée, là, cette tenue anti-miasme. Ah ouais, je pense que j'ai confondu avec ça. C'est la même couleur. On a ça aussi qui est anti-miasme. Ah, mais du coup, en vrai de vrai... on commence à avoir un truc un peu anti-miasme, c'est pas trop mal. Ouais. Merci beaucoup, on se donne rendez-vous demain pour l'épisode 140. N'oubliez pas les 10 000 likes, les amis. Je compte sur vous, je vais continuer d'enregistrer des épisodes. J'espère que la voix tiendra, j'espère que ça vous va jusqu'à maintenant. On se donne rendez-vous dès demain. 10 000 likes, commentaires, astuces que je lirai à mon retour. Et abonnement. C'était Sif, merci beaucoup de suivre ce let's play. Demain, on égale le record. À demain. Ciao.